Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, lundi 18 décembre 2017, je vais vous faire une vidéo sur Ansible, puisque j'ai dit que je la ferais cette vidéo, donc ben je vais la faire. Alors je vais juste mettre ça là, histoire de voir le temps qui se déroule de la vidéo. Donc en fait, c'est dans cette vidéo sur installer CentOS avec Maté dans un contexte entreprise, qui a visiblement plu. J'ai Philippe Darrocha qui me dit, voilà, une question. Admettons qu'on veuille gérer un parc de plusieurs machines CentOS, genre faire les mises à jour, ou on nous demande d'installer un nouveau logiciel sur tous les postes. Il faudrait qu'il y ait OpenSSH serveur d'installer pour qu'on puisse se connecter à distance. Bon, c'est vrai, on se connecte à distance, on fait yum install, truc, très bien. Mais comment on entre en une seule commande dans un terminal, arroser toutes les machines sans avoir besoin de se connecter sur chacune individuellement? Et là, je réponds quoi? Je réponds, ah bah tiens, Serge a répondu. Avec Parallèle SSH, il m'avait envoyé les liens hier soir. Mais, moi je vais vous montrer Ansible, puisque j'ai répondu à Philippe en lui disant « C'est là qu'intervient Ansible, il faut que je fasse une vidéo là-dessus. » Donc voilà la vidéo, hein, je profite de mon jour de congé. J'ai beaucoup de choses à faire, mais allez, je me fais plaisir. Et donc, je vais montrer en action Ansible. Donc, il y a un article ici sur linuxtrix.fr. Ansible automatiser la gestion de serveurs que j'ai fait il y a un moment, que je vais peut-être... Ah oui, il y a un bon moment, en 2014. Je vais le mettre à jour pour la partie mise à jour, parce que je ne l'ai pas dit comment on fait pour mettre à jour des machines. Voilà. Donc, je dis comment installer Ansible sur CentOS, calculer Linux, préparer le terrain, utiliser Ansible, etc. Donc, ce qu'on va faire, on va fermer ça. Je vais laisser moi le tuto de l'autre côté, sur l'autre écran, et puis je vais vous montrer ça en vidéo, et je vous mettrai bien sûr le lien dans le descriptif juste en dessous. Donc, je démarre trois machines virtuelles. Une qui s'appelle vidéo 1, l'autre vidéo 2, où c'est deux CentOS en version Maté. Hein, donc vidéo 1, c'est celle que j'ai utilisée pour installer CentOS Maté. L'autre, je l'ai installée ce matin. Voilà. Donc je lance la deuxième. Voilà. Et donc la troisième, c'est c'est une machine où j'ai pas installé de ligne de commande, enfin d'interface graphique. Mais c'est celle qui nous servira entre guillemets de serveur Ansible. Puisque en fait, Ansible, je ne l'ai pas dit, mais c'est un logiciel de déploiement et de configuration à distance. C'est écrit en Python, donc on a besoin en gros d'une machine qui a SSH, parce que ça repose sur SSH. On a besoin d'une simple station de travail avec Python installé, point, c'est tout. Et SSH. C'est... voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais me connecter directement avec une console, parce que ce sera plus simple pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, mes deux cobayes, ce seront ces deux machines-là. Pour lesquels je vais récupérer d'ailleurs leur adresse IP. Donc IPA, donc 135 pour la première. Oups. Et ...110 pour la deuxième, ok. Donc là, je suis sur ma machine P553 qui est en gros le serveur Ansible, on va dire ça comme ça. Donc dans un premier temps, il faut installer Ansible. Donc pour installer Ansible, on yum install epl release. On a besoin des dépôts epl. Puisqu'Ansible se situe dans ces extra packages for entreprise Linux. Donc là, c'est le cas. Et vous installez Ansible. Voilà. Donc on installe Ansible. Quelques paquets Python plus Ansible. C'est vite réglé. Et voilà, Ansible est installé. Bon, alors, maintenant on va préparer le terrain. Parce que j'ai dit, ça repose sur SSH. Donc pour plus de facilité, on va créer des paires de clés. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis, plutôt que de s'amuser avec les IP, on va remplir le fichier etc host. Hein, voilà. Donc 192.168.21.135, j'avais dit, c'est ça? Ouais. Qui est le P551 et 192.168.21.110 qui est le P552. Voilà. De manière à ce que cette fois-ci, quand je fais ping P551,
ce soit beaucoup plus simple que taper l'IP 552, ça répond aussi. Bien. Donc maintenant, on va se monter notre pile SSH. Donc on va faire une paire de clés sur notre serveur entre guillemets Ansible. RSA, peu importe, pas de passe-phrase. Comme ça, quand on se connectera sur les machines, il ne nous demandera pas le mot de passe. On copie notre clé de notre machine Ansible directement sur chacun des PC. Donc SSH copy id P551. Là, on lui dit yes. Et on met le mot de passe root une fois. Pareil sur 552. Voilà. Et maintenant, si je fais un SSH P551, vous voyez, il ne me demande pas le mot de passe. Ce sera quand même beaucoup mieux. Pareil sur le P552. Bien. Donc maintenant, notre pile SSH, elle fonctionne. Donc on va juste préparer le terrain et configurer nos hôtes dans Ansible, notre fameux logiciel Ansible. Donc on va dans etc Ansible, puisque c'est là-dedans que se situent tous les fichiers de configuration d'Ansible. Donc on a fichier ansible.cfg, host, et un dossier rôle. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est le fichier host. Et donc, ce qui est bien avec CentOS, en tout cas, c'est qu'on a quelques commentaires dans le fichier. Donc, c'est le fichier de configuration par défaut d'Ansible pour les hôtes. Donc, les commentaires commencent par un croisillon. Les lignes blanches sont ignorées. Les groupes d'hôtes sont délimités par des crochets. On peut rentrer des noms d'hôtes ou des adresses IP. Donc là, c'est quand même mieux d'avoir les noms d'hôtes. Et puis, un nom d'hôte ou une adresse IP peut être membre de plusieurs groupes. Donc ici il y a des exemples, on peut mettre les noms comme ça, voilà, qui font pas partie d'un groupe. Ici on a des groupes, donc on peut faire des collections de groupes. Donc par exemple ici, collection d'hôtes qui sont des web serveurs. Donc imaginons dans notre société on a 4 serveurs web qui sont ceux-là, voilà, on peut les noter comme ça. Ou si on en a 6, on peut les noter comme ça. On a nos groupes, base de données. Donc ici dans notre cas on va faire un groupe work. Stations. Voilà. Et puis dans nos workstations, on va dire qu'on a notre P551 et notre P552. Voilà. Donc là, si je refais un cat host, on voit qu'on a notre groupe workstation avec P551 et P552. Donc Ansible va se lancer avec la commande Ansible. En wildliner. Sinon, on peut faire des playbooks qu'on peut exécuter avec la commande Ansible playbook. Donc là, je vais commencer par Ansible tout seul. Vous allez voir, c'est pas très pratique, mais on peut l'utiliser dans certains cas. Ansible en ligne de commande, c'est Ansible-m le nom du module, éventuellement des actions avec -a et les actions, et le groupe. Il y a un groupe par défaut qui s'appelle all, c'est tous les PC. Donc ici, je vais utiliser le module ping, ping all, et donc via Ansible, on va essayer de pinger tous nos hôtes et de voir si ça fonctionne. Ça permet de tester le bon fonctionnement d'Ansible. Et donc ici, on a du succès partout. Donc ça marche, nos hôtes nous répondent pong. Yeah! Bien. Donc maintenant, je vais vous montrer en mode one-liner. Donc là, je vais me reconnecter sur les deux machines. Par exemple, là, vous voyez, c'est une station de travail que j'ai installée. Bon, il y a Firefox, transmission, FileZilla. Il n'y a pas de bureautique, ça tombe bien. Et là, pareil sur l'hôte. Hein. Donc là, il y a ça. Il n'y a pas Thunderbird. Et il n'y a pas de bureau. Il y a LibreOffice 5.4. Bon, ouais, c'est pas grave. On installera le LibreOffice normal. Ça devrait pas se télescoper. Donc là, par exemple. Le cas de Philippe Darocha qui me dit ben voilà, on a besoin d'installer un logiciel. Typiquement, on se rend compte que les gens se plaignent que le webmail c'est pas terrible dans notre société, puis ils veulent utiliser Thunderbird. On a besoin de déployer Thunderbird sur nos XPC. Donc là, par exemple, sur nos workstations. Et ben, on peut le faire en ligne de commande avec Ansible-m, donc pour appeler le module yum. Et puis là, on peut lui passer des actions. Directement là en mode one liner, donc name égale
Thunderbird. Et puis, on va dire, moi, c'est sur le groupe Workstations. Voilà. Donc là, ça va appeler le Modulium qui va nous installer le paquet Thunderbird. Donc, ici, il y a le... Dans le lien que je vous mettrai dans le descriptif, il y a ce lien-là. Moi, je le relance. Le temps que la commande se mette en route. Voilà. Donc ici, sur les doc all modules, là, ici, tous les modules d'Ansible qui sont disponibles. Donc il y en a un paquet. Voilà. Et il y en a un qui s'appelle Yum. Bah, donc il y a Zipper pour du SUSE. Donc Yum, voilà. Et donc là, on a les exemples, les différents paramétrages qu'on peut faire. Donc name ici, nom du paquet, security, skip broken, state, etc. Et donc là, on a les exemples de playbook. Donc moi, je ne fais pas tout à fait pareil. Je vous montrerai, bon, ça servait au même. Mais vous voyez, il y a quand même de la documentation en ligne pour tout. Et donc voilà, notre commande a eu le temps de s'exécuter. Donc là, il nous dit que sur P552, ça a été fait avec succès. Change true, ça veut dire qu'il y a eu du changement sur cette machine. En gros, Thunderbird n'était pas installé. Failed false, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de message. Et donc le résultat, c'est ça. Donc il lance la commande yum et en gros, il nous met quand même la commande yum, voilà. Et donc on voit que Thunderbird a été installé aussi bien sur le 552 que sur le 551. Donc si on va ici, voilà, on va voir ici que on a Thunderbird ici. Et sur l'autre, on a Thunderbird aussi. Voilà. Et que si je le lance, il marche. Hein. Voilà. Bien. Donc ça, c'est la partie one-liner. On peut, donc vous avez vu dans la documentation rapidement, il y a l'option state. Donc on peut mettre state égale quelque chose qui permet de dire, par exemple... On peut lui mettre un état et lui dire, bah, par exemple, on veut qu'il soit présent. Ça, c'est de state present. Donc là, ça revient à la même chose que l'installation. Donc si je lance ça, bah, vous voyez, hop, Thunderbird, il est déjà installé. Donc il ne le réinstalle pas. C'est-à-dire que si les logiciels installés sont déjà là, bah, il ne nous fait rien. Et si on veut supprimer Thunderbird, state absent. Et donc là, ça va nous supprimer. C'est l'équivalent du yum remove Thunderbird. Voilà. On voit que c'est quand même plus rapide à désinstaller qu'à installer. Donc ça, je le rajouterai, le coup du state dans le tuto, pour pouvoir state. Pour le rajouter. Ensuite, maintenant, on va quand même venir au playbook. Donc ici, je suis dans le TC Ansible. Moi, j'aime bien... ranger tout au même endroit, donc je fais un dossier mkdir playbooks, voilà, et je vais dans le dossier playbooks. Maintenant je vais me faire un petit playbook, donc playbooks, ce que j'ai dit, c'est un espèce de méga script qui va automatiser les tâches de manière séquentielle. Donc le playbook, là par exemple, on va faire, je sais pas moi, on va faire le playbook LibreOffice. C'est écrit en YAML, donc extension YML. Voilà. Par exemple, je pourrais faire un playbook. Par exemple, j'installerai ma CentOS en normal, en mode minimal. Et puis, je pourrais faire un playbook installation de Maté en disant je fais le groupe install Xorg, je fais le groupe install Maté, enfin, j'installe EPL, je fais le groupe install Maté, je désactive ce Linux, je mets le graphical target par défaut, et puis après, j'installe mes logiciels. Je pourrais le faire ça. Donc là, je vous montre, par exemple, donc ici, les commentaires, c'est les dièses. Hein. Donc par exemple, on peut dire install de LibreOffice. Donc, ici, on va lui dire host. Sur quel autre ça s'applique? Donc, workstation. Mes fameuses workstation. Et donc, pour ces autres-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des tâches. Donc là, c'est un peu différent, c'est vrai, par rapport à ce qui est écrit sur Ansible. Mais bon, quand j'ai mis en place et que j'ai fait Ansible en 2014, j'ai fait d'une certaine manière et donc je continue à faire de cette manière-là. Bon, après, en soi, ça fonctionne.
Donc, je peux faire plusieurs tâches dans mon playbook. Et donc ici, par exemple, je vais dire... Donc, je vais mettre un nom. Donc, c'est ce qui va s'afficher à la console. Installation de LibreOffice Writer, par exemple. Et donc, après, j'appelle le module. Donc, yum. Donc, hop, yum. Yum, je vais lui dire que c'est le paquet LibreOffice Writer state égale present. Ah, attendez, je vais mettre installation de LibreOffice. Ouais, Writer. Si vous allez voir, je vais montrer des petits trucs assez sympas. Installation LibreOffice Writer. Ensuite, je vais faire name 3 installation de LibreOffice Calc, par exemple. Voilà. Donc je vais installer Calc. Voilà. Et puis ici, je vais rajouter un truc. Par exemple, je vais mettre name. Vous avez vu que j'ai mon fameux LibreOffice là qui est installé en version 5.4 là. Je l'avais installé à la main pour vous montrer dans la vidéo. Donc on peut faire par exemple purge des anciens LibreOffice. Des LibreOffice 5.4. Voilà. Hop. Et donc là, on va enlever. On va enlever tous nos paquets LibreOffice installés à la main. Sauf que là, on va être un peu plus malin. Alors, oui, forcément, il s'est lancé. Ok. rpm-qa pipegrep LibreOffice. Voilà. Donc, mes paquets s'appellent LibreOffice 5.4. Donc, soit je peux mettre ici yum name égale LibreOffice égale 5.4 LibreOffice 5.4 étoile state égale absent. Je peux faire ça. Soit on peut faire un truc un peu plus sympa. Ici on peut faire des listes. Je vous montre. Vous mettez ici item. Ça, c'est très utile pour, vous verrez dans le tuto que j'ai fait, pour l'installation de LAMP avec les fichiers, les différentes extensions de PHP. Donc, name item, vous mettez name item. Voilà. Et après, ici, vous mettez, vous lui dites, ben, avec quel item, donc with items. Et là, vous listez les items. Donc, par exemple, LibreOffice 5.4-writer. Voilà, je duplique. Calque. Fr, qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? Base. Bon, c'est beaucoup moins compliqué, c'est beaucoup moins facile que le avec le étoile pour le coup du on enlève, mais bon. Impress. Draw. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Math. Voilà. Donc là c'est un playbook assez violent. Je l'enregistre. Et après pour exécuter, bah, je fais un Ansible playbook et le nom du playbook, LibreOffice. Et donc là ça va être drôle parce que... Donc il va nous jouer le playbook. Et donc ici, vous voyez, il affiche dans la console ce qui se passe. Donc, il joue pour les workstations. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il regarde les tâches qu'il y a à faire. Et ensuite, il fait ses tâches. Donc, tâche 1, purge des LibreOffice. P552, il fait rien. Pourquoi? Parce que sur le P552, qui est ce poste-là, eh ben, il n'y avait pas de LibreOffice 5.4 d'installé. Par contre, sur le 551, il nous dit, eh ben voilà... LibreOffice machin, LibreOffice machin, LibreOffice machin. Il y avait des choses à faire. Donc normalement, il a dû les enlever. Si je me suis pas trompé dans le playbook.
Bon, on va attendre qu'il finisse. Ce qui est étrange, c'est qu'il nous met un U. Alors, vu que c'est pas installé vraiment par défaut, ce paquet, je sais pas trop ce que ça va me faire. Ensuite, là, il nous installe LibreOffice Writer, donc sur les deux, et Calc sur les deux. Donc là, il nous fait. Donc il y a eu trois actions ici, et deux sur le deuxième. Et donc là, normalement, on doit avoir sur notre deuxième PC LibreOffice Calc et Writer d'installer. Et sur le premier, alors le premier. Alors le premier, ben je sais pas ce qu'il nous a fait. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un petit peu complexe. Je fais pas souvent des suppressions. Mais donc il nous a bien installé le Calc et Writer. Par contre, le 5.4, il nous l'a pas fait. Donc normalement, state égale absente. Hein. Bon, pour le coup, c'est pas top. Donc LibreOffice 5.4. Attends, c'est bien comme ça qu'ils s'appellent les paquets. Hein. Ah, au moins qu'il faut mettre vraiment la version. Ou c'est peut-être que la version est écrite directement dans le fichier. Attendez. Merde! Je vais regarder vite fait comment sont nommés les fichiers. Ouais, à mon avis, le nom du fichier. À mon avis, le nom du fichier rpm-qa pipegrep. LibreOffice. À mon avis, ça marche, hein, mais. À moins qu'il faille mettre vraiment le nom complet. Je ne sais pas. Mais on peut le faire comme ça, voilà. Et donc là, on va rejouer le playbook. Cette fois-ci, je mets un RM avec juste une étoile. 552, il n'y a rien à faire, donc il ne le fait pas. Et puis on va voir que là où. Voilà, donc là, LibreOffice était déjà installé, donc l'installation, elle ne se fait pas puisqu'il le détecte déjà. Et là, par contre, ouais, il l'a bien supprimé, je pense. Ouais. Bon. Finalement, pour les suppressions, privilégiez ceci. Voilà. Et puis, donc, en fait, je vous montre ce qu'il est possible de faire. Donc, par exemple, lamp centos.yml. Je vais copier-coller ce que j'avais déjà fait. Ici. Mais par exemple, pour installer Lamp, voilà. Donc pour installer Lamp, j'avais fait ça. Donc host, on lui dit les hôtes. Handlers, bon bah voilà, il faut vérifier. Alors je sais plus ce que c'est les handlers, attendez, je vais reprendre. Cette section permet de déclarer des nouvelles notifications. Ah oui, d'accord, c'est pour avoir des notifs quand le truc y aura démarré. Très bien. Et donc ici, on fait les tâches. Donc installation d'Apache, on installe HTTPD, installation de PHP. Installation des extensions PHP, voilà, donc avec le fameux item, withItems. Installation de MariaDB, donc la name, voilà. On peut démarrer des services avec le module service. On peut copier des fichiers avec la commande copy. Ici, je copie un fichier index.php par défaut. J'exécute des commandes. Autoriser le pare-feu. Et redémarrer le pare-feu, voilà. Donc voilà ce qu'on peut faire grosso modo avec Ansible. Bien sûr, il y a beaucoup plus de possibilités que je vous laisserai regarder si vous en avez la curiosité. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo sur Ansible vous aura plu. Je vous mettrai bien sûr les liens du wiki dans le descriptif, le wiki de Linux Tricks, que je vais juste compléter avec la mise à jour et le state qui va bien. Et puis, je vous fais aussi, qu'est-ce que je vous fais? Je vous mets le lien des modules Ansible qu'il faut que je vous retrouve. Voilà, je vous mets en dessous dans les descriptifs de la vidéo en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez regarder aussi PSSH pour le parallèle SSH de notre ami Serge, vous pouvez aussi. Mais voilà, je trouve Ansible quand même beaucoup plus puissant parce qu'il va pas. Là où on va faire un SSH yum install LibreOffice où il risque de nous réinstaller LibreOffice, Ansible va détecter que c'est déjà installé et il ne nous le réinstallera pas. Voilà.
Et ben j'espère que ça vous a plu, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.